classe prépa, elle a un but double, à la fois de permettre à des étudiants qui auraient besoin d'un petit coup de pouce de rattraper une forme de retard un peu par rapport à d'autres, et surtout de permettre à des jeunes qui ne sont pas forcément confrontés à l'actualité de manière concrète de rentrer dedans, de vivre l'actu, non pas comme quelque chose d'ennuyeux, de chiant, comme un cours magistral, mais comme quelque chose dont on fait partie. Et donc c'est à la fois comprendre le monde qui nous entoure, comprendre les différents supports sur lesquels on va pouvoir s'informer, hein, puisqu'il y en a énormément, que ce soit la radio, la télé, le web, le papier. Et donc c'est l'idée d'amener des jeunes qui ne sont pas forcément complètement habitués à utiliser ces supports, à aller chercher une information, à recouper une information, à vérifier les choses, et bien de leur donner ce réflexe-là. Et de ne pas leur donner comme quelque chose de pesant qui viendrait comme ça, comme une règle, par-dessus la tête, mais comme une vraie envie, une envie de mieux comprendre le monde, et bien pour peut-être pouvoir y trouver sa place plus facilement. Lundi, on a cours avec un journaliste, on fait des revues de presse, on décrypte l'actualité, qu'elle soit sur les journaux, à radio, etc. Mardi, on fait mots et concepts, on fait de la philosophie, on apprend du vocabulaire. Mercredi, on a art et culture. Donc c'est souvent, on fait souvent plein de sorties à l'extérieur, on va au musée, on apprend énormément de choses. Le jeudi, on a réalisation audiovisuelle, donc on apprend différents logiciels de montage et comment ça se passe en régie, pour nos émissions télé ou radio. Et vendredi, on a cours tout en anglais, donc on apprend beaucoup de choses en anglais, du vocabulaire, comment mieux s'exprimer. Ce qui me plaît en prépa, donc à l'ISCPA, c'est... Le rythme, tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, le mercredi, les sorties, on a été à la maison de la radio, on a découvert plein de nouvelles choses, on a rencontré des professionnels. Ou même le lundi aussi, avec Thomas Huchou, où on voit plus l'aspect du journalisme du coup, et où on a la vie d'un professionnel en fait, sur tout ça. Il y a une bonne ambiance de classe, on se soutient ensemble, on travaille ensemble, on a tous de bonnes idées, donc c'est super intéressant.